Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes dernières cousettes. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai cousu. Et puis, j'ai apporté pas mal de modifications à ce que j'ai fait aussi. Alors, volontairement et parfois involontairement. Donc voilà, c'était pour la présentation. Mais avant de commencer, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé de nom. Voilà, je suis passée de l'atelier de Somariaka à By Somariaka, qui me correspond aujourd'hui plus à la personne que je suis, à la femme que je suis. Donc on a commencé un peu ensemble cette aventure sous le nom de l'atelier de Somariaka et on continue avec, avec le nom de By Somariaka. Mais rassurez-vous, c'est toujours moi, c'est toujours la même personne et toujours le même contenu, et j'espère maintenant beaucoup plus de contenu à vous apporter. Donc voilà, c'était, on va dire, la première étape vers de nouvelles choses à venir dans les mois qui suivent. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte, où je vous partage mes dernières cousettes. Aussi, ce que j'aime vous partager en ce moment, ce sont justement le déroulement de mes projets de couture. Donc voilà, c'est quelque chose qui a l'air de plutôt bien vous plaire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, regardez en dessous de la vidéo dans la barre d'infos et n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous abonner, parce que voilà, c'est toujours plus sympathique. Je partage assez régulièrement sur Instagram. Et puis aussi, si vous le voulez, vous pouvez me suivre sur mon compte Facebook, donc By Somariaka maintenant également, où là je vous partage plutôt des articles de blog, des vidéos d'autres couturières ou des astuces que je trouve et que je partage avec vous avec plaisir. Et grande nouveauté, suite au live, j'ai créé le groupe de révision du CAP Couture. Donc c'est pareil, je vous remets le lien juste en dessous, c'est un groupe privé. Si vous souhaitez intégrer le groupe, il n'y a aucun souci, je suis seul modérateur, donc j'accepterai votre candidature, on va dire, avec plaisir. Donc c'est un groupe dans lequel nous allons réviser ensemble le CAP Couture de manière tout à fait sérieuse, mais pas du tout scolaire. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie de réviser, mais sans être un peu trop militaire ou un peu trop scolaire, tout en restant très carré, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Et maintenant, on commence. Alors, je vais commencer déjà par ce que je porte aujourd'hui et ce que j'ai mis sur mon mannequin de couture. Donc, je prends mon petit carnet pour ne rien oublier. En fait, j'avais envie depuis longtemps de me coudre mes basiques, mais des basiques un petit peu pimpées, un petit peu revisitées, donc des basiques type t-shirt. J'avais ces très beaux jerseys que j'avais depuis plusieurs mois maintenant dans mon stock de tissus, qui est juste derrière moi, parce qu'on a un petit peu déménagé comme vous avez dû le remarquer, mais je ne savais pas trop quoi coudre. En fait, j'avais pas trop d'idées. J'avais des idées. Je voulais mon t-shirt basique, mais un peu pimpé. Mais j'avais pas trouvé vraiment le patron. Et en fait, j'ai parmi mes patrons, j'ai celui du t-shirt Camélia de Super Bison. Et je le trouvais très sympa. J'avais cousu une première version, mais je pense que je me suis trompée dans le sens du droit fil, parce que le jersey était vraiment très peu extensible, et donc je l'ai cousu la première fois en taille 40 de manière tout à fait classique et basique, et je me trouvais vachement étriquée, ça n'allait pas, et du coup j'avais un peu laissé de côté le patron, voilà, comme ça peut arriver souvent. Et j'ai eu envie de j'ai vraiment eu envie de d'avoir un basique, mais avec une version un peu hackée. Donc j'ai réalisé deux versions. La version que je porte ici, donc c'est pareil, c'est une taille 40, j'ai pas changé les tailles parce que ça correspondait bien à mes mensurations. Et donc taille 40, et là en fait ce que j'ai rajouté, ce sont ces manches gigola. Ce ne sont pas des manches qui sont issues du patron de Super Bison. Je suis tombée sur un tuto sur Instagram, sur un tuto pour réaliser et modifier son patron pour avoir cet effet de manche gigot, donc cette espèce de manche bouffante, très bouffante en fait. Et voilà, et donc j'ai eu envie de réaliser une version comme celle-ci. Et pour la version que je porte, elle est décolletée dans le dos, donc avec une encolure ronde dans le dos. Et je trouve ça très très féminin. L'hiver, je préfère avoir
Alors, je sais pas pourquoi, mais l'hiver, je préfère avoir le décolleté dans le dos plutôt que devant. Voilà, je me sens peut-être plus à l'aise. Je suis plutôt blanche l'hiver, donc je sais pas. Je préfère comme ça. Donc voilà. Alors, comme je vous disais, je l'ai réalisé en taille 40. Ce jersey-là, c'est un jersey qui est une maille jersey qui est extrêmement douce à porter sur la peau. C'est un coupon de jersey que j'ai eu sur le site Glitzer Puppy. Donc, je vous remettrai le lien en dessous si vous voulez. Et je l'ai réalisé plutôt rapidement. En fait, le plus gros de mon temps, ce qui m'a pris le plus de temps, plutôt c'est français ça, c'est la modification de la manche. En fait, c'était un peu du patronage. Hein. Enfin, un peu, c'était totalement du patronage. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a demandé le plus de temps. Mais après, au niveau du montage, je l'ai complètement cousu avec ma surjeteuse. Complètement assemblé avec ma surjeteuse et c'est hyper rapide. En fait, si vous avez l'habitude de coudre, et ben un t-shirt, en fait, c'est toujours les mêmes étapes de montage. Enfin, vous avez toujours quelques petites subtilités, mais vous montez les épaules, vous montez votre col. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je ne ferme pas les côtés, je couds ma tête de manche sur ma manche et ensuite je ferme d'un seul et même tenant sur les côtés, donc côté et dessous de manche. Et donc je fais une seule et même couture. Donc là, il y a vraiment deux écoles par rapport à ça. Il y a celles qui préfèrent fermer la manche et la monter à l'intérieur, ou comme moi qui préfère en fait tout fermer. C'est un petit peu plus rapide, on va dire. Après, c'est vrai qu'au niveau des finitions, c'est pas précis, c'est pas super précis. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous voyez, ma couture ici, elle est légèrement décalée, mais franchement, il faut avoir les yeux dessus, quoi. Et voilà, pour moi, c'était pas trop grave, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet des manches bouffantes. C'est vraiment une des grandes tendances, je trouve, cette année, cette saison. Et ben, moi, j'adore. Je trouve que ça donne beaucoup plus de prestance, on va dire, à la tenue, et c'est vraiment très très appréciable et agréable dans ce sens. J'avais du coup envie de me faire une deuxième version, donc ce coup-ci plus avec un effet manche courte et une base t-shirt classique, une encolure ronde classique. Et donc j'ai cousu cette version-ci avec une manche bouffante. Alors là, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai remodifié le patron parce que vous voyez, la manche gigot, elle apporte vraiment beaucoup de volume en fait. Vous avez un effet de masse qui est plus important et je voulais sur un t-shirt manche courte, je voulais un effet plutôt froncé bouffant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moins volumineux dans tous les cas. Et donc j'ai réalisé cette version-ci. C'est toujours un jersey de chez Glitzer Puppy. Celui-ci est noir avec un effet lurex. Celui-ci est donc bleu marine avec un effet lurex, ce que je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, un petit côté sympa, le basique qui se porte hyper facilement. Et la petite touche en plus, c'est que quand je l'ai fait, les manches étaient sympas, mais il était vraiment très très basique. Et j'avais envie de donner la touche couture, le petit clin d'œil plutôt à la couture. Et donc j'ai personnalisé mon t-shirt avec du flex. Donc je pense que vous la voyez ici derrière la bougie, j'ai la machine de découpe Cricut Maker. Et donc j'ai réalisé mon petit hashtag à moi que j'ai posé comme je voulais un effet un peu, comment on dit, pas broderie, mais style écusson, vous voyez vraiment côté cœur, un peu pins, enfin, dans l'idée. Et donc j'ai fait mon hashtag couture addict. Donc voilà, ça c'est du fait maison. La seule chose à laquelle il faudra, je pense, faire attention, c'est à l'usage et au fur et à mesure des lavages. Comme là, le jersey, c'est une matière extensible. Là, j'ai utilisé un flex traditionnel. J'ai pas utilisé un flex spécial, vous savez, spécial maille sport, maille stretch. Donc, alors j'espère pas, mais il faudra que je fasse attention qu'à force, au fur et à mesure, que les écritures ne se craquellent pas. Je pense que c'est le risque, en fait, par rapport à ça. Mais en attendant, voilà, je voulais vraiment apporter la petite touche, le petit clin d'œil couture en plus, et assez sympa. Au niveau de la réalisation, bah, encore une fois, très très simple. J'ai fait des surpiqûres. En fait, à la maison, je n'ai pour le moment qu'une, c'est déjà bien,
une surjeteuse, mais j'ai pas de surjeteuse recouvreuse ou de recouvreuse à côté. Et ce qui ne m'empêche pas en fait de faire mes ourlets comme si j'avais une recouvreuse. Donc j'ai trouvé sur YouTube un tuto en fait qui montre la façon de plier vos ourlets et de les assembler à la surjeteuse. Et en fait, quand vous rabattez, il faut donner un bon coup de fer par contre. Et moi, je rajoute toujours une surpiqûre hein, comme au niveau du col. Et on a vraiment l'impression d'un effet recouvreuse. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien ici au niveau de l'ourlet, mais on a vraiment cet effet recouvreuse alors qu'on a réalisé notre ourlet avec notre simple surjeteuse. Donc voilà, j'aime beaucoup cette astuce-là. Et sinon, pas de difficulté majeure, très facile à faire. Le tuto, je vous le remets juste en dessous en barre d'infos. Alors, après mes t-shirts, enfin après, plutôt avant mes t-shirts, j'avais réalisé deux robes. Donc la première robe, c'est celle-ci qui est... Ah oui, alors c'est pareil. Bon, là, je ne vous l'ai pas montré puisque j'ai le t-shirt sur moi. Mais je vais essayer de vous inclure quelque part dans la vidéo des photos de mes cousettes portées, photos voire vidéos. Je pense que ça peut être assez sympa pour vous de voir le rendu porté plutôt que sur le cintre. Donc, j'ai réalisé cette robe-là qui est la robe Alice de Clématis Pattern. Et donc cette robe-là, elle m'a donné beaucoup de... Oui, j'ai un petit fil. Beaucoup de rire, de colère, d'angoisse et presque de démotivation. Mais je n'ai rien lâché, je me suis accrochée. Et en fait, je suis quand même toujours assez mitigée par rapport à cette robe. Alors, je vais vous donner les aspects purement techniques. Donc, c'est une robe à manches bouffantes. Initialement avec un décolleté devant en V, comme vous avez là. Donc ça, c'est normalement, c'est mon devant. Je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez comprendre pourquoi je dis normalement en fait. Donc c'est le patron de la robe Alice de la créatrice Clématis Pattern. Je vous remets les liens en barre d'infos. Là, pour le coup, je me suis vraiment bien tenue au tableau des mesures et j'ai vraiment adapté le patron par rapport à mes mensurations. C'est-à-dire que pour le haut, j'ai cousu une taille 40 et pour la taille et les hanches, j'ai cousu une taille 42. Au niveau du tissu, j'ai choisi un crépon viscose lurex couleur tilleul avec un effet tie and dye. Ça fait beaucoup pour tout ça, mais c'est son nom. Donc voilà, il est très très joli. C'est très joli. Donc un crépon viscose, le gros avantage, c'est que c'est un hyper hyper agréable à porter, c'est très fluide et deux, ça colle pas à la peau, ça a un effet antistatique et en ce moment avec le froid, le chauffage, les collants, etc., d'avoir une robe qui vous colle aux fesses ou aux cuisses, moi c'est le truc que je déteste et avec cette matière-là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le gros gros avantage de ce coupon-ci. Mon coupon, je l'ai acheté sur le site Tissu Loli Shop, donc je vous remettrai pareil les liens en barre d'infos. Et voilà, au niveau du temps de réalisation, à vrai dire, je ne sais pas trop. Je l'ai fait petit à petit au fur et à mesure dans une semaine. Voilà, donc après vous dire le temps exactement, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous calculez ou généralement le temps que ça vous prend. Et donc, comme je vous disais, je suis assez mitigée par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà vous donné ce que j'aime dans cette robe-là. Donc, je vous ai parlé de la matière, très agréable. Également, ce sont des manches bouffantes, donc voilà, avec un effet bouffante. C'est pas de la manche gigot, c'est moins accentué que ce que j'ai fait là ici, mais c'est bouffante, donc ça donne aussi de la structure. Ça, j'aime beaucoup. C'est une robe que on peut porter droite ou ceinturée. Donc moi, j'ai les deux versions. Je pense que je vous les ai déjà mis quelque part sur la vidéo. En fait, j'aime bien la version ceinturée, mais vraiment, je trouve que celle qui me sied le mieux, c'est la version droite. Voilà. Et la couleur. La couleur, c'est vraiment une très belle découverte. C'est une couleur qui est totalement appropriée à mon teint. Et en fait, pour choisir, maintenant, je fais très attention. Et pour choisir les bonnes couleurs, je me fie totalement à ma colorimétrie. C'est-à-dire la colorimétrie, je ne sais pas si ça vous parle, si vous savez ce que c'est. En fait, suivant notre carnation, la couleur de nos yeux et la couleur de nos cheveux, on a des couleurs qui nous vont plus ou moins bien. Ça concerne exclusivement le haut du visage. Et donc, moi, ma colorimétrie, elle correspond, elle est, pardon, très important, la colorimétrie est basée sur les saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et pour ma part, ma colorimétrie correspond
au printemps clair parce que j'ai la peau blanche, les yeux bleus et j'ai les cheveux plutôt clairs. Donc là, ils sont blonds mais méchés, mais ma base naturelle est plutôt châtain clair. Voilà, donc la couleur tilleul faisait partie totalement de ma colorimétrie. C'est une couleur que je n'avais jamais portée auparavant, donc c'était un peu la découverte aussi en achetant un coupon de cette couleur-ci. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment une couleur qui me correspond très très bien. En plus, dans ce coupon-ci, on a un petit fil lurex, donc ça permet de garder une certaine brillance. Voilà, ça c'était pour tous les aspects positifs. Là où je suis hyper déçue, et en fait j'aurais dû vérifier sur le patron papier avant, j'aurais dû l'épingler en fait sur mon mannequin, c'est la profondeur du décolleté. Au niveau du découpage, excusez-moi, je vais un peu trop vite, au niveau du découpage, le crépon viscose lurex comme ça, c'est une horreur à découper. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ma paire de ciseaux était plus du tout appropriée pour ça. La pointe de mon ciseau ne découpait plus. C'est une matière en fait qui bouge, qui est vivante. C'est un peu comme, c'est pareil, j'aime pas du tout cette matière-là, la double gaze. C'est super agréable à porter, mais c'est super chiant à découper parce que c'est pas quelque chose de totalement plane. Donc voilà, c'est vivant, ça bouge, donc pas facile du tout à découper. Donc je reviens sur ma robe. Le décolleté devant est hyper prononcé. Donc je vous disais que j'avais coupé une taille 40 en haut. Finalement, par rapport à la matière, je pense que je pourrais tout à fait coudre une taille 38 parce que là la taille 40 avec un décolleté prononcé comme celui-ci, je vous explique pas, j'avais toute la marchandise dehors. Donc, ce qui n'était absolument pas possible, n'est-ce pas? Pas portable en ce sens-là. Et j'ai essayé de porter un caraco en dessous, donc dans des tons un peu crème, beige, ivoire clair. Et en fait, j'aime pas du tout. Je trouve que ça gâche complètement le côté assez habillé de la robe. Donc, j'ai failli tout arrêter et tout laisser tomber. Et j'ai une de mes abonnées sur mon compte Instagram, enfin, j'ai une abonnée, mais enfin, une des abonnées avec qui j'échange sur Instagram, qui me dit, mais est-ce que tu as essayé de la porter à l'envers? Et en fait, je me suis dit, bah non, parce que elle a des pinces, voyez, au niveau de la poitrine. Donc pour moi, elle allait être relativement cintrée, ça allait pas le faire. Bon, de toute manière, je n'avais rien à perdre. Donc je l'ai portée à l'envers. Et figurez-vous qu'à l'envers, elle me va. Parce que vous pouvez avoir le décolleté devant ou le décolleté dans le dos. Donc je l'ai mise à l'envers et elle tombe plutôt bien et elle est portable. Voilà, elle est portable dans ce sens-là, elle est tout à fait portable. Donc ouf, je peux porter ma robe parce que voilà, j'ai quand même mis du temps à la faire et surtout du temps à la découper. Donc je suis contente de pouvoir la porter, mais je suis déçue parce que du coup, le montage, si j'avais vérifié, le montage aurait été totalement différent. Alors pour les yeux avertis, et je trouve que ça se voit encore plus sur un effet tie and dye, c'est évident. Le fait de la porter à l'envers, en fait, j'ai la couture milieu dos bah, qui est complètement apparente. Alors, soit on a l'habitude de voir ce genre de détails et tout de suite ça nous tape à l'œil, soit on n'a pas trop l'habitude et en fait on n'y fait pas forcément trop attention. Moi, je le sais, donc raison de plus. Mais vous voyez là, le dos en fait est composé de deux pièces et j'ai mon milieu dos en fait qui est du coup en plein milieu. Voilà, donc bon, c'est la petite chose. Le fait d'avoir les pinces par contre dans le dos, et ben comme je vous disais, comme c'est une taille 40 et que finalement la taille 38 me conviendrait mieux au niveau de la poitrine, c'est pas du tout gênant. On reste toujours sur cet effet relativement droit. Voilà, j'ai pas une forte poitrine, donc ça ne dérange en rien. Et au niveau de la longueur aussi, j'étais un peu mitigée et je m'en suis vraiment voulu de ne pas avoir vérifié avant le patron papier. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Finalement, c'est hyper important. Je le ferai maintenant, enfin je le fais maintenant du coup. C'est qu'elle est vraiment relativement courte. Donc si je la pose, je sais pas si vous allez bien voir si je la pose comme ça, mais elle est vraiment courte. Elle m'arrive au niveau un peu mi-cuisse, quoi. Et en fait, si je la ceinture, elle remonte encore plus. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis que je préfère la version portée droite. Donc voilà pour la robe.
Donc je l'aime autant que je l'aime pas. Enfin, je suis vraiment mitigée. Je l'ai porté une fois. Je ne l'ai pas reporté depuis parce que bah, du coup, je ne me sens pas toujours à l'aise et ça dépend vraiment de la façon dont je l'associe. Et avec des collants noirs et une petite bottine noire, ça le fait. Donc voilà. Après, ce que j'adore vraiment, c'est la qualité du tissu. Franchement, c'est une super belle matière. Quoi vous dire d'autre? Manches bouffantes. Franchement, y a pas de. Oui, une parementure aussi. Voilà, pour bien marquer le décolleté. Une belle pointe en V au niveau du décolleté dos, du coup. Et puis voilà, tout est surjeté à la surjeteuse pour. Tout est surfiné, excusez-moi, à la surjeteuse pour des finitions aux petits oignons. Et donc voilà pour ma robe Alice. Donc, c'est une robe que j'aime quand même, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense que pour la prochaine que je ferai. Alors, je pense que si je reprends une matière comme ça, un peu un crépon viscose assez vivant, je prendrai une taille 38. Si je prends une matière plus épaisse, plus lourde, comme un lainage, je resterai sur une taille 40. Et dans tous les cas, je ne fais plus le décolleté devant, parce que je vous assure que ça m'est arrivé là, quoi. Quand je vous dis que la marchandise était dehors, c'est pas des blagues. Et je ferai du coup une taille. Je ferai du coup, pardon, en lainage. Ou bien en viscose, en lainage taille 38, en viscose taille 40. Et dans tous les cas, je ferai le décolleté dans le dos. Mais ce coup-ci, avec vraiment l'assemblage, donc la couture milieu dos comme d'habitude. Et une seule et même pièce sur le devant. Je pense que ça sera beaucoup plus... sera mieux en ce sens. Et enfin, la dernière cousette dont je voulais vous parler. Donc, c'est encore une fois une modification de patron. C'est une robe chasuble. Voilà, donc cette robe chasuble là, donc qui est issue du patron de la robe craie de Maison Fauve, mais que j'avais achetée lorsque la créatrice avait lancé Dessine-moi un patron. Mais c'est la même personne, c'est la même créatrice. Donc j'ai réalisé le hack de cette robe craie. Je vous dis hack parce que en fait il n'y a pas de manche. Donc c'est pour ça que là je l'ai vraiment revisité comme une robe chasuble. La robe chasuble, c'est une robe sans manches, en fait, qui est cintrée au niveau de la poitrine et ensuite en forme trapèze. Donc vraiment qui part comme ceci, qui ne marque pas la taille, qui ne marque pas les hanches. Et ça, c'est mon gros gros coup de cœur. Je l'ai porté plusieurs fois déjà. Et je l'associe aussi bien avec un petit haut, une petite maille avec des manches bouffantes en organza. Voilà, j'aime beaucoup. Ou sinon avec un petit sous-pull noir classique en maille côtelée. Très mignon aussi. Et pourquoi je suis arrivée à faire ce hack-là? En fait, ce n'était pas du tout prévu au début de hacker le patron. Je voulais vraiment me fier au patron. J'avais ce superbe coupon Prince de Galles que j'avais acheté je crois, il y a 2 ans maintenant chez Pretty Mercerie. Et au début, ce coupon-là était destiné à un pantalon. Et en fait, les pantalons, je n'en porte jamais, à part des jeans. Hormis des jeans, je ne porte jamais de pantalon, je n'aime pas, je trouve que ça ne me met pas en valeur. Et puis c'est pas quelque chose que j'aime porter. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas me faire la petite robe d'automne par définition, la petite robe chasuble, à porter avec des collants, des cuissardes et mes petits pulls comme j'aime bien en dessous, avec ce magnifique coupon-ci. J'en fais tomber mon carnet. Et donc au niveau des ajustements de patron, j'ai cousu en haut toujours une taille 40, taille et hanche taille 42. Donc voilà, pas de manche. Et la difficulté vraiment pour moi, ça a été de trouver un moyen de retirer les manches, mais d'avoir des finitions impeccables sans couture apparente. Donc pareil sur Instagram, si vous m'avez suivi lorsque je l'ai réalisé. J'ai essayé plein de choses, enfin j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé notamment de faire de belles finitions avec une couture en fait apparente ici. Là, je n'avais pas de couture apparente puisque je ne l'ai pas complètement doublée. J'ai juste fait une parementure.
avec le même tissu, hein. Vous voyez, la permanture, elle est relativement grande. Voilà. Mais pour au niveau des épaules, en fait, je ne savais pas comment faire et j'avais essayé avec une couture apparente et franchement, j'aimais pas du tout l'effet. Ça, j'aimais pas, quoi. J'avais les yeux focalisés que sur cette couture-ci. Et on m'a parlé de la technique du burrito que je ne connaissais pas. Donc du coup, je vous ai partagé ça sur Instagram. Mais si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que vous passez à côté de découvertes en temps réel. donc voilà, la technique du burrito, qui est un autre nom aussi. Alors j'avoue que j'ai retenu burrito parce que ça me fait marrer un peu parler de bouffe en même temps de couture. Et qui consiste justement à pouvoir doubler un débardeur ou bien une robe sans manches, sans couture apparente. Et donc grâce à cette technique-là, bah, j'ai pu monter en fait, faire la finition de mes bretelles sans manches et sans couture apparente. Et je suis hyper contente du résultat. Honnêtement, c'est parfait. La robe est parfaite. Au niveau de la coupe, des tailles, c'est tout à fait conforme. Je vais vous la poser là, ici. Je sais pas trop ce que ça va donner avec mon... Je vais pas la coincer dans mon petit foulard. Est-ce qu'on va y arriver? Bon, je vais la tenir comme ça. Donc voilà, elle est très très jolie. Le coupon est magnifique. C'est un prince de Galles avec une petite... avec une ligne dans les tons caramel, terracotta. Il est superbe. En fait, je n'ai que des belles choses à dire sur ça. Je reprends mon carnet pour ne rien oublier. Donc, c'est une robe sans fermeture zippée. Donc, c'est du prêt à enfiler. C'est parfait. Je vous disais robe chasuble. Encore une fois, pour le haut, j'ai cousu une taille 40. Et finalement, je pense qu'une taille 38 permettrait vraiment d'accentuer l'effet trapèze et ça serait davantage plus cintré au niveau de la poitrine. C'est un petit détail, ça ne gâche en rien le tombé, le porté de la robe. Et voilà, il n'y a pas de difficulté majeure en fait. Si vous êtes totalement débutante, je trouve qu'il manque encore des petites précisions dans le patron. Mais vraiment pour des débutantes, si vous avez l'habitude de coudre, vous vous en sortez très bien. Donc voilà. Et par contre, le seul petit bémol concernant le tissu, et ça se voit déjà ici, c'est que c'est un coupon qui se froisse relativement vite. Je l'ai mis un matin pour aller au bureau. Donc je l'avais enfilé le matin, j'avais enfilé mon manteau, mis ma ceinture dans la voiture, n'est-ce pas? rien de bien fantastique. Et en fait, en arrivant au boulot, en sortant de la voiture, en enlevant mon manteau dans mon bureau, et ben toute cette partie-là était froissée. Donc un petit peu les boules, quoi, quand vous arrivez à 8h30 du matin. Passer la journée avec une robe froissée, moi, c'est pas trop mon délire. Enfin, j'aime pas trop ça. Et voilà, donc c'était un peu le seul bémol par rapport au tissu, mais du coup, il faut faire un petit peu plus attention, on va dire, pour pas que ce soit trop froissé. Donc voilà pour mes cousettes, mes dernières cousettes, ce que je vais pas dire mes cousettes du mois. J'avoue que je couds en fonction de mes envies, de ma motivation, de la façon dont je me sens en ce moment, etc. Et puis ben là, en ce moment, j'avais besoin de coudre, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez juste me faire un petit coucou, et ben c'est toujours avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Et encore une fois, pour ne rien louper des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Voilà, vous cliquez et vous êtes abonné. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche à côté pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. J'ai été très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.